Bonjour, je m'appelle Yaël, je fais de la musique sous le pseudo Yole et je vous propose de passer un petit moment concert dans mon salon. Malheureusement, je ne peux pas faire de diffusion en direct, ce qui fait que c'est un live qui est enregistré, qui n'est pas diffusé en direct. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. J'ai pas mal de petits pépins techniques, donc j'espère que je vais pouvoir le faire en une fois, sinon je vais devoir couper les morceaux et les assembler. Et voilà, c'est le live que j'ai fait entre 2015 et 2018. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas joué. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de le jouer une dernière fois. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, chose importante, on va essayer de transformer le salon à peu près en une scène. C'est incroyable. On s'y croit. Et c'est parti. Messieurs. Bonsoir. Thank you.
longtemps que j'ai pas joué ce live, donc c'est un peu bizarre. J'ai fait pas mal de petites erreurs, j'espère que ça va pas trop se sentir. Mais voilà, j'espère que les deux premiers morceaux vous ont plu. On va enchaîner sur la suite.
J'espère que ça va toujours, que ces quatre petits morceaux, c'est ça? Ouais, que ces quatre petits morceaux vous ont plu. On va enchaîner sur deux morceaux qui sont super vieux. Ils datent de l'école seconde première pour moi au final. Ils sont marrants parce que c'est un peu le yin et le yang, ces deux morceaux. Ils ont la même thématique et ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et c'est toujours marrant de le reprendre sur scène, quelque chose d'aussi vieux et de le revisiter comme ça. C'est toujours un moment très agréable à avoir, à le jouer. Donc on va enchaîner sur sur Away Above the Sky. Forcément, il fallait que j'appuie sur le mauvais bouton. On va enchaîner sur Away Above the Sky et puis ensuite sur When Things Go Bad. Et je répare mes conneries. Sleep, as I'm saying, you're all sleep. Dying sleep, as I'm saying, you're all sleep.
rater des fins de morceaux comme ça, ça m'emmerde. Là, c'est le moment normalement où je dis merci et je comble le moment où je bois avec des merci. Mais bon, vu que j'ai personne à remercier. On va enchaîner sur le dernier morceau.
qui s'appelle Forget October. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est que ça sonne très Yann Tiersen. Personnellement, je trouve pas forcément, mais bon, l'essentiel c'est que chacun s'y retrouve. Donc oui, voilà, c'était Yole. Que dire de plus? J'espère que vous portez bien, que vous allez bien, que vos proches vont bien. Et puis moi de mon côté, ce que je fais, ça s'écoute sur Internet, c'est gratuit. Je vais me forcer à sortir l'album en février, quoi qu'il advienne. Donc il y a ça en termes de nouvelles. Il y a un morceau qui va sortir aussi bientôt. Je peux pas en dire beaucoup plus. J'espère qu'il va sortir bientôt. Ça dépend pas du tout de moi-même en fait. Voilà, c'était Yole. Portez-vous bien. Nothing.
Bon, là, c'est le moment où les gens applaudissent. Et ils en demandent une de plus. Et c'est là où je fais semblant de me barrer. Et je reviens quelques instants après pour faire leur appel. Mais bon, vu qu'on est tout seul à la maison, on va dire qu'on va pas se voiler la face. Le prochain morceau, c'est un morceau qui s'appelle Plume, qui est pour le prochain album. C'est un morceau qui est que orchestre, qui est trop mignon. Et qui est très triste, mais je voulais pas terminer sur une fin triste pour le concert, même si je voulais terminer par ce morceau-là. Ce qui fait qu'il est revisité avec pas mal de genres différents. Il a un peu d'électro, de hip-hop old school, un peu de trois côtés d'upstep. Donc voilà, c'est histoire de terminer, pas ça sur une note triste, mais sur une note un peu plus énergique et mélancolique à la fois. Donc voilà, le prochain morceau s'appelle Plume. C'était Yo. J'espère que vous avez passé un bon moment dans mon salon à écouter un mec jouer à côté de sa cuisine. Mais ouais, et voilà quoi. Portez-vous bien, faites attention à vous, tout ça. I don't know how to read music. I don't know nothing about notes. All I know is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, whatever goes after that. But I said, I don't question how I play. I just sit down and if I think of something, like I might think of. And that's just what I just done. That's the way I gotta play. I gotta hear that on the drums. See, I gotta hear that. But I know I can do it. If I can hum it, I can play it. So that's the way I think.
Merci, Stéyo, à une prochaine.